shall gather, more shall enter the fray. Justinia! Quasimodo! Captain Justice! Billy Bob! Mais barrez-vous, bande de cons! On va tous crever! Enjoy your stay. Madness can take many forms, but none so contemptible as man's belief in a mythology of his own making. A worldview buttressed by dogmatic desperation invariably leads to single-minded fanaticism and a need to do terrible things in the name of righteousness. This man is an animal, rabid, destructive, and incapable of nuanced understanding. He must be put down. Ah bonsoir, je suis Lord Poulpi. On se retrouve pour la 171e semaine de Poulpiton. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu différent de d'habitude. Je lançais une mission et j'ai eu ce superbe cinématique qui s'est mise en route. Donc, je vais faire une vidéo, écoutez, vu qu'a priori, on a une chance de croiser le fameux fanatique. Ouais, je pensais que c'était un inquisiteur. Bah, il s'appelle Fanatique. Donc, eh ben on va voir, hein, voir ce que ça donne. Explorer 90% des pièces, c'est une longue. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour tomber sur le fanatique, je suppose. Ou alors, faudrait tomber dessus au début. On va voir. Est-ce qu'il va nous sauter à la gueule, sortir de nulle part ou pas? Est-ce que... En tout cas, il nous veut du mal, ça c'est sûr, hein. Il veut éliminer le capitaine Justice, qui est malédictionné. Ouais. Et puis Quasimodo aussi. Ouais, c'est vrai. Et Justinia. Et bah Justinia aussi. Et Billy Bob. Non, Billy Bob, il a pas joué depuis 3 ans. Donc tout va bien. Bon, alors, c'est donc une quête de vétéran, hein, pas champion. Et on est bien. Alors, tout ça, c'est vampire tout court. Ok. Ok, ça fait quoi ça déjà? Vitesse moins 7, précision moins 11. Tiens, fais ça pour rien. C'est le prix de moustique. C'est beau. Je crois que j'avais jamais vu l'animation. Ah, je sais, c'est plutôt incroyable. Bon, bah, l'infection, a priori, un petit peu rien à foutre. Hein. Vu que tout le monde est contaminé sauf Billy Bob. Hein. Par contre, j'ai qu'une fiole de sang. Donc, s'ils se mettent à s'énerver. Bon, ça va, ils sont calmes pour l'instant au niveau. Au niveau... Oh, la petite accusation qui fait plaisir. Oh oui. Au niveau de la malédiction, c'est plutôt calme. Ça va bien se passer. Ouais, ouais. Alors, restez jusqu'au bout, parce que... Il y a une nouvelle mise à jour. Et j'ai enfin récupéré rétroactivement tous les plans que je devais gagner en tuant les boss. Ah, ils ont pensé un petit peu aux beaux gosses. Ça fait plaisir. Et donc, je vais pouvoir construire plein de bâtiments secondaires, là. Ça va être génial. J'ai hâte. Ah, et j'attends de faire une vidéo pour le faire. Et puis, bah, la voilà. Hein. Ah ouais. Bon, sauf si l'émission est un échec. Hein. Je partirai dans la honte et on fera ça une autre fois. Non, j'aurai pas le cœur. Non. Non, non, non. Mais ça va aller. Ouais, bien sûr. Toi, t'es mort. Captain Justice te punit. Et toi aussi t'es mort. Allez hop là, c'est de la bonne ça. Et non, ça touche les trois premiers ennemis. Bien, bien, bien. Ça fait une grosse portée cette attaque. Donc là il y a plus rien, on est d'accord. À moins que le fanatique soit pas repérable sur la carte. Ah c'est possible. Hein. C'est possible. On a un petit peu Billy Bob qui fait de l'éclairage. Ouais, de l'éclairage. Ouais, enfin, l'éclaireur, quoi. Bah ouais, c'est de l'éclairage. Comment on dit? Ah, je sais même pas. Ah, c'est pas une lampe en même temps. Ouais, non, l'éclairage, c'est nul. Ouais, il fait du repérage. Ouais, repérage, si tu veux. Ouais, c'est peut-être mieux. Mais si c'est écrit éclaireur. Qu'est-ce qu'il fait un éclaireur? Il éclaire? Ah oh bah tiens! Parfait au début! Oula, surprise, d'accord! Vache! Oh là là, mais attends, mais c'est quoi ce décor? Il se promène avec ses poteaux, le mec! Je la reconnais, là!
C'est Sainte Monroe. Non, elle est morte, c'est pas elle. Calme-toi. Tu vois des choses qui n'existent pas. Alors par contre, Captain Judas, il est tout derrière. C'est de la merde. C'est de la merde. Qu'est-ce que je peux lui faire? Vitesse moins 7, précision moins 11, tiens. Mange-toi des pièges. Gros naze. Putain, mais t'es grand, attends, mais t'es un géant, mec. Regarde. Une tête de plus que moi et deux fois plus large. C'est scandaleux, écoutez. Ah. Ah, Billy Bob, tu brûles, mais t'étais même pas... Il est même pas contaminé. Mais t'es un dieudin, mec. T'es un fanatique, en même temps. Ah, il brûle, hein. Ça me rappelle la... C'était quoi, la harpie, là, qui nous met dans sa marmite? Ah, c'était le bon temps. Bah, à l'époque, quoi. Voilà, quoi. On savait vivre. Bien sûr. Pourquoi tu saignes, toi? C'est Billy Bob avec ses pièges qui t'a fait saigner? Intéressant. Eh oui, ça, vous avez pas vu, ça aussi, je crois, l'horreur. Maintenant, c'est comme le saignement et les infections, ça vous colle du stress tous les tours. 4 de stress, donc pendant 3 tours. Ah, c'est un petit peu fou. Ah, je sais. Bon, alors il faut libérer Billy Bob quand même. Je suppose qu'il est en train de prendre cher. Le problème, c'est que. Ouais, ouais. Non, c'est de la merde, ouais, c'est une attaque de saignement, donc ça sert à rien. Ah, j'ai une équipe de merde en fait pour ça. J'ai passé à part Billy Bob pour mettre des gros dégâts bruts. Ouais, Captain Justice, il est là, il est bien aussi. Ça va aller. Ouais, on arrive, t'inquiète pas. 20 points de vie, 22, ça a de la résistance, mais rien, il sort. Ah, c'est tout. Ah, c'est fâcheux, ça. J'espère que tu prends pas trop cher. Bon, on a dit, on te fait saigner, toi. Si, si, si. Ah, il a 3 actions, le mec. Ah, ouais, ça va aller. Aïe. Pieux sacré, d'accord, très bien. On sort. Ah, il me l'a mis derrière, il s'est avancé. Ah, blaireau. Ah, t'es relou. Tiens, prends-toi un critique. T'apprendras à cramer ton chasseur de primes. Ouais, soit... ouais, je sais pas quoi faire, mec. Pour l'instant, on peut rien faire. Alors, tu restes calme. Tu attends. Ok, du stress, ça va. La vie, on est bien. Bon, à part Billy Bob qui doit prendre la sauce, je suppose. Tiens. Ouais, ça suffit pas. 4 points de vie. Allez, Quasimodo, va s'attendre, t'inquiète pas. Si, 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 on arrive à jouer. Condamnation justifiée. Ah, parfait, passe devant. Ok, juste du stress. Tu m'as l'air tout bidon, toi. Bon, on va voir. On va voir l'état de Billy Bob après avoir passé 3 tours à cramer. Non, même pas 2. C'est bon, là. Voilà, fais voir quand on regarde ta tête. Oh putain. Ah, t'as plus de vie. Ah, mais attends. Elle le remet pas dedans. Mais t'es un. Ah, pardon, mais. Ouais, t'agonises, tu m'étonnes. T'es un bâtard, toi. Mais c'est un bâtard, soigne-le. Ah non, pas de perte. Voilà, on est bien. Stigmatiser la contamination, c'est-à-dire... Horreur marquée, d'accord. Okay. On se soigne. Ah, il est vénère, hein. Ah, il est vénère. Il est vénère, mais c'est pas visé. Ah non, pas Captain Justice. Oh, mais pas Captain Justice au bûcher, écoute. Respecte-toi, ce que tu fais n'a aucun sens. Tiens. Ah, je t'éclate, tu m'énerves. Saigne. Il se prend plein de saignements, en plus il joue tout le temps, donc voilà. Techniquement, il peut se prendre 15 dégâts par tour. Juste avec son attaque. Ouais, alors que le bûcher... Bah. Ah, on a vu un petit 4 volé là. C'est tout. Bah, attends, Billy Bob, pourquoi t'es remonté en sucre si... Je sais pas. T'as pas perdu... Ouais, 4. Il perd 4... Souvent, semble-t-il. Ah ouais, 4. Ah oui, à chaque fois qu'il y a une action, il perd 4 points de vie. Ouais, en effet, ça peut aller vite. Ouais. Non, mais fais un critique. Tu vois pas qu'il brûle. Sauver Captain Justice. Ah ouais, mec. En plus, t'es en armure, tu dois avoir chaud. Hein. Allez, sors ton bloc là. Allez, viens, reviens. Oh là là. Ça va vite. Calme-toi. Ah, mais on y passe tous, quoi. Ok, donc c'est un dégénéré, lui. Si, si. Je crois qu'on peut le dire. Allez. On se dépêche. Mais le combat va durer 300 ans aussi, si... Si on fait que ça. En fait, il est relou, en fait. Mais là, il perd plus de vie. Il faut lui faire du mal. Il faut qu'on lui fasse du mal, vous comprenez pas? Soigne Captain Justice. Ouais, ouais, ouais. Faiblard comme soin. Hein. Frappez l'hérétique, mais reste poli, reste poli. Ah, mais l'homme est pas derrière. Oh, que t'es pénible. Ok,
Que t'es pénible. Tu attaques trop. Ah, il marque au fer rouge. Ouais, non, mais là... Non, mec, on peut pas accepter ça. C'est pas possible. Ouais, déjà... On va se mettre à 4 contre ta tronche. C'est bien. Tu fais quoi? Oh mon dieu, le rayon du soleil. Non, mais c'est bon, c'est une loupe. Même pas, il y a même pas de loupe, c'est un trou, les gars. Vous faites quoi, là? Eh? On se ressaisit un petit peu, là. On va pas se laisser faire par un... vieux dégarni, là. C'est bien, même pas au bûcher. Bûcher 24 sur 105. Ah, il a des points de vie global. Tiens. Oh, ok. T'as plus de vie, toi, t'es au courant? Qu'est-ce que tu fais? T'as envie de le taper, hein? Ouais, mais c'est pas sérieux. En même temps, t'as quand même points de vie. 2. Tu vas te soigner 4, ça fait 6. Ah, c'est bon. Tue-le! Voilà. Ah, pour changer la vie, hein. 4 points de vie. Oh non, alors que là! Eh ben ouais, j'ai tout prévu! Eh ben, tu crois quoi? Ah, il vient de battre maintenant. C'est ce qui se passe, ça? Ah ouais, il a pas 27 points de vie, le truc. Ah bah c'est bon, alors on peut le défoncer. On va être tranquille après. Une fois qu'il va être à 0. Hein? T'inquiète pas, t'inquiète pas, on arrive. Ça sert à rien. Quoique le stress... C'est pas grave. Quasimodo, il aime le stress. Pour une raison encore... un peu inconnue. Ouais, ouais, ouais. Horreur, horreur. Allez, allez. Allez, allez. Voilà. Alors. Ah, il reste avec un point de vie, son bûcher. Ah bah c'est bien, en une attaque, c'est réglé. Bon, parfait. Ah bah non. Parfait, mais au bout d'un moment, t'es chiant quand même. Attention à ta vie. 3 points de vie. Enthousiaste, voilà, comme d'hab. Bon, bah, on va dire que le flagellant, il est content. Il est content, mais je sais pas ce que ça lui apporte. Ça, c'est inacceptable. Ouais, tu fais plus de dégâts par contre, ouais. T'as combien, moins 30% de dégâts? Ouais, tu fais que... Ah non! Oh, je vais agoniser. Ah, t'agonises! Ah non, pas Captain Justice! Non, 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 non. Non, c'est le plus grand de tous les héros. Je veux dire... Billy Bob aussi? C'est pas grave, il joue plus, on s'en fout. On va te mettre des tas dans ta tronche. Tiens, alors! C'est de la bonne, ça, hein? 57 points de vie. Ouais, ouais. Allez, hop, là, on se met à l'abri. Pour le moment, t'as 2 à l'agonie, déjà. Je sais pas si... Tu peux pas attaquer. Mince. Transférer, segment, blablabla. Attends, mais c'est pourrable là. Pourquoi tu peux pas... C'est Billy Bob qui saoule. D'accord. Et toi devant. Voilà, très bien. Pas grave. Pas grave, ça toute ta vie. Quand on a la foi, le sang doit couler. Avec le bruit de la cagoule, par contre. Ah, c'est mieux. Un peu de RP, merde. Voilà. Bon, il sert plus à rien ton bûcher, hein. Pas honte de te le dire, mec. Il fait du mal, je pense. Oula, ça colle des dégâts. Ah bon? Ferveur! Merde, loupé. Agressivité? Non. La justice agressive? Ah, c'est moche. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, toi, c'est pas grave. Toi. C'est pas grave, t'es en pleine forme. Stigmatise tant que tu veux, 2 points de vie, c'est bon. Bon, on va le tuer là, 57. Si. Non, on peut pas. Mets-toi un coup de bannière là, fais-toi plaisir. Voilà, fais du stress. Ça augmente la torche, avoir un petit peu de PV. Oh, il est tellement méchant. Il est tellement méchant. Tiens, saigne. Pourriture. Ah, tu vas perdre 15 points de vie en 2-2, c'est bien. Merde, il va rattaquer. Non, Captain Justice! Non! Non! Oh non! Oh, mais quel chieur de mouche! Oh, mais je te. Tiens! Oh non, je l'aimais bien! Bah, vous le connaissiez pas, mais il était. Ah, il était dans mon cœur. Bah, je crois qu'on peut le dire. Tiens, je peux tout redire, t'apprendras. T'as dû le faire avant. En même temps, avec toutes ces actions. Ça aurait pas changé grand chose. Oh, je suis déçu. Crève. Oh, je suis tellement dégoûté. 19 points de vie, tu t'en prends 10. Bah, t'es. Attends.
C'est un coup, si t'es mort, dégage. Ah, oh, j'ai perdu Captain Justice. Ça, c'est ses objets. Ah, il est équipé, le gars. Hein. Cru d'ancêtre à dépérissement de malédiction. Retardé. Dépérissement. Genre. Je sais pas. Je sais pas, mais ça a l'air bien. Tiens, prends un peu de bénite. Non. Ah si. Ah non, on vit. Non, c'est pareil. Ouais, ça a rien changé. C'est de la crotte. Bon, bah parfait. Bah non, c'est nul. Ouais, c'est nul. J'ai plus qu'à rentrer chez ma mère. Putain, c'est dur. Tiens, tiens. Faut que je fasse quoi? Ouais, mais non, on est trois là. Ah non, on se casse. On va aller là juste pour la forme. On va avoir une dernière salle. Et on va partir. Et c'est triste. Ouais, du stress, ouais, je sais. Non, mais oui, mais non, mais non, mais non, mais arrête. Arrête, 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 ça sert à rien. Tu vois bien. Ah, je le voulais cet objet en plus pour la l'illumination. Ah, et 1300 pièces d'or. Ah, c'est rentable. Vous avez rien gagné à part des... Pas de la merde. Maladie débilitante. Non mais mec. Oh, c'est moche. Cette expédition elle est moche. Hein. Ouais, pris du hurleur. Sidéré par l'apparente valeur de ce qui se cache dans ses plumes putrides, les curieux se demandent s'ils ne devraient pas monter une expédition pour se prendre à son perchoir. Quête narrative. Ah, j'avais vu ça. J'avais vu, c'était une mise à jour gratuite. Et il y a une quête spéciale à... Elle est où? On va y aller, on va y aller, on va y aller. Enfin, pas tout de suite, mais on ira. Oh, c'est beau, ça, c'est quoi? Dégâts plus 40% contre les édifices en pierre. Quoi? Édifices en pierre. Il y a du truc, là. Il y a du matos, là, un petit peu, là. Ah, il est là. C'est une quête champion, d'accord. Et on gagne quoi? Plume d'aile de mue, esquive plus 10. Résistance à la maladie. Résistance... Dégâts de stress plus 16. Ouais, bon, c'est un peu... C'est un peu bof, quoi. Ouais, c'est un petit peu bof, on peut le dire. Et ben donc, on va faire les bâtiments. Alors oui, parce qu'il s'est passé des choses pendant que je n'ai pas posté. À savoir que le jeu m'a engueulé, il m'a dit, quand je partais de l'expédition, il m'a dit « Ouais, vous devriez laisser du sang, les personnages infectés peuvent mourir. » Parce que certains, ils étaient un peu en mode... toi, t'es parti dans la nature, toi. Ils étaient partis un peu en mode... ils souffraient de la malédiction, quoi. Très fort. Ils pouvaient mourir du manque de sang. Et moi, j'avais pas de sang. Ah non, j'avais un peu tout claqué comme un blaireau, quoi, dans ma quête précédente. Apparemment, quand on garde du sang, quand on en ramène avec nous, ça le met en stock chez le marchand, là, les provisions, là. Ouais, c'est un petit peu... Enfin, j'ai l'impression. Et là, il y a ce super bâtiment qui permet de produire 2 bouteilles par semaine. Donc, je vais le faire tout de suite, afin d'éviter... toute pénurie sanguine et éviter des pertes inutiles, ce serait dommage qu'il meure quand même. Bah si, à cause de négligence, écoutez, j'ai envie de dire, mince quoi. Alors on peut faire quoi? Tête de marionnette, réduction du stress, durabilité de 10 par semaine, ouais, la lumière ambiante est plus bénéfique. Pff, 300, ouais, c'est cher, dis donc. Attends, j'en ai 571, mais bon, alors je peux faire quoi à part ça? Ring d'entraînement, arbalétrière, maître chien, homme d'armes, plus 4, plus 10, c'est dommage, j'en ai pas beaucoup. Sinon, ça aurait pu m'intéresser. Antiquaire, occultiste, médecin de peste, plus 15, plus 15. Ouais, les curiosités de savoir soignent 15 de stress. C'est le spectacle bouffon. Plus 2 en vitesse, moins de dégâts de stress. Plus de dégâts à la compétence finale. La méga compétence qui fait très mal. En théorie. Avec moi, elle fait de la merde, mais bon. Et feu de joie, 2 points de répit si vous avez au moins une émanation, une furie. Alors, les points de répit, c'est les points en campement. Quand on fait un campement, on a des points à dépenser, là. C'est donc ça. Alors, on va faire par élimination. Écoutez, voilà, alors, des parchemins pour les antiquaires, éventuellement. Ça, j'en ai pas assez. Bah voilà, des parchemins, on va les claquer pour... voilà, là-dedans. Hop, on n'a pas le choix. On est content. Oh, c'est beau. Chance d'infection supplémentaire. Ouais, bon, ça va pas changer la vie, hein. Mais ça touche occultiste et médecin de peste, bien. Ouais. Même si occultiste, niveau infection, bah y a rien. Hein. Niveau malus, il y a par contre.
Ya. Est-ce que j'ai assez de... Bah, le reste, c'est des espèces de boucliers. Hein. Regardez, j'ai 12 schémas. Ah, je suis un petit peu... Ah, j'ai tué 12 boss. Ouais. Toi aussi, tu peux y arriver. Bah, faut le faire, quoi. Accroche-toi, j'ai envie de dire. Si, c'est important. Suis tes rêves, tout ça. Coûte que 40, les bouffons. Bah, je vais faire tête de marionnette pour réduire du stress pour les feignasses. Qui se touche la nouille Oh, c'est beau. Un poule python, très bien. 371, je peux faire quoi d'autre? Ça, ça coûte 300. Ça me plaît pas, la lumière bénéfique, là. C'est bon. Se bat dans le noir comme des bonhommes, bien sûr. Ring d'entraînement. Non. Allez, bouffon 40. Vas-y. On va voir un peu. Ah, il y a les masques et tout. Il y a la guitare, c'est génial. Feu de joie externe, 300, c'est trop cher. Un truc qui sert à tout le monde, tant qu'à faire, bah quand de la cartographe, écoute. Ouais, bah ouais. Ouais, tu voulais pas le faire, mais tu vas le faire. Je pourrais faire le grenier bientôt. Plus 15% de soins en mangeant, certainement rien. À quoi que c'est pour les campements. De la nourriture, la nourriture est accordée gratuitement chaque semaine. Ouais, les camps de la cartographe. Bim. Après, on pourra faire ça, on récupère 9 têtes, on est bien. Oh, c'est beau. Et voilà. Il me reste combien de bâtiments? 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments à faire. Ouais. Et ben voilà. C'était sympathique. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour aller buter de la harpie ou de la pie ou du je sais pas quoi là. En tout cas, on va les voler dans les plumes. C'était drôle. Allez, salut.